Ouais. Hein? Un colis? De chez qui? Nvidia? Et c'est quoi? Oh putain, une 3080. Ok, ok. Et c'est pour parler de quoi? Nvidia Reflex? Ok, bah let's go. On va tester ça. Let's go. Remember it. Hello tout le monde, bon comme vous l'avez compris aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Nvidia Reflex. Nvidia a été assez sympathique pour envoyer une sympathique 3080 sur le campus de la Solty Academy et ils sortent une nouvelle technologie et qui est depuis quelques jours maintenant disponible sur Rainbow Six, PC bien évidemment et sur la version Vulkan du jeu. Alors bon, premier truc, vous me connaissez, le but du jeu ça va être d'essayer déjà de vulgariser un petit peu qu'est-ce que le Nvidia Reflex. Déjà je pense que l'important quand on nous présente une nouvelle technologie, c'est d'abord de comprendre et ensuite de voir eh bien, quels sont les cas de figure dans lesquels eh bien, ce Nvidia Reflex peut être intéressant, car il l'est, ça c'est clair. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le Nvidia Reflex? On avait déjà parlé par le passé de l'importance, et en particulier dans des jeux compétitifs, qu'on le prendrait de l'importance des FPS, du nombre d'images par seconde, ou du rafraîchissement de l'écran, à savoir des Hertz. On a aussi plusieurs fois parlé à maintes et maintes reprises sur le stream de la Solty Academy de l'input lag. En gros, le lag, c'est le retard qu'il pourrait y avoir entre l'envoi d'une information et la réception de cette information par le jeu. On parle souvent de lag sur Internet, mais là, en l'occurrence, on parle du lag du PC. Je clique, combien de temps ça met pour s'afficher à l'écran. Aujourd'hui, le réflexe, il intervient sur quelque chose d'autre. Il intervient sur la réponse du PC, sa capacité de réponse, c'est-à-dire sa capacité à délivrer une information quand moi, je vais faire une action. Je clique sur la souris et quel temps ça va mettre pour réaliser cette action. Plus le PC est rapide, forcément, en tout cas, on va en parler, et mieux c'est. On peut facilement comprendre pourquoi. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le Nvidia Reflex, ça va nous permettre de jouer là-dessus, d'avoir une réponse système de notre PC qui va être plus rapide. Maintenant, la question c'est de comprendre comment est-ce que ça marche le Reflex, si ça marche, et en particulier sur le jeu sur lequel on va aller tester, à savoir Rainbow Six, et dans quel cas de figure. Première chose, et c'est extrêmement important, cette technologie Reflex, elle n'est pas uniquement disponible sur les dernières séries. Donc les séries 30, 3080, 3090, etc., etc. Elle est disponible depuis les séries 10, donc les 1080, 1070. Et je crois qu'ils ont une envie en plus de le faire jusqu'aux séries 9. L'autre point important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un écran G5. Et le dernier point, et c'est sûrement le plus important, et en particulier sur Rainbow Six, et on va aller étudier ça tout de suite, c'est que le Reflex marche énormément dans des scénarios qu'on appelle GPU bound. Wow. C'est quoi GPU bound? C'est le fait que la carte graphique, et en particulier son processeur graphique, soit extrêmement utilisé par un jeu vidéo. Trop utilisé par le jeu vidéo. Le scénario, à mon avis, le plus probable pour certains d'entre vous, c'est que non, vous n'avez pas forcément mis des options graphiques de fou, mais vous avez juste une carte graphique qui a quelques années et donc qui tire un petit peu dur sur des jeux et en particulier un jeu comme Rainbow Six. Alors, on va aller tester ça tout de suite sur Rainbow Six, mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que par rapport au fait que j'ai une 3080 à l'heure actuelle, celle que Nvidia m'a sympathiquement envoyée, il y a des chances que je ne sois pas GPU bound pour le coup. Donc on va essayer de reproduire des scénarios pour faire en sorte justement d'expliquer ce qui arriverait avec le Reflex qui permettra à des personnes qui souhaitent augmenter leur graphisme, qui souhaitent augmenter leur résolution ou tout simplement qui ont des processeurs graphiques et des cartes graphiques qui sont pas de la dernière génération, qui permettra en activant ce Reflex de diminuer la latence et donc d'être plus compétitif. On va donc aller voir ça tout de suite. Let's go! Pour essayer de tester le Reflex dans les meilleures conditions, je vais essayer de voir quelle est la latence de mon jeu dans une situation où ça lui demande pas trop. J'ai pas mis de terroriste, je suis parti tout seul sur une map. Je vais me mettre contre un mur pour éviter que le jeu n'ait trop à charger. Et je vais regarder en haut à droite les éléments qui m'ont été donnés par Nvidia. Et en particulier cet overlay de performance. On a bien évidemment le GPU, qui est la carte graphique sur laquelle je suis, à savoir, comme vous le voyez, une 3080. Le nombre de FPS qui me sont donnés, le 99% FPS, la latency, l'utilisation du CPU et l'utilisation du GPU. Si vous avez compris tout à l'heure, forcément, ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte sur une 3080 sur Rainbow Six d'avoir un scénario où le GPU est utilisé à de nombreux pourcentages. Et c'est le cas à l'heure actuelle, et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, pour essayer de faire en sorte d'avoir un GPU qui soit extrêmement utilisé, ce qui pourrait se reproduire pour pas mal d'entre vous si vous avez une carte graphique qui n'est pas une 3080, qui est une 2080 ou en dessous, je suis allé augmenter forcément toutes les options. Donc je suis en résolution sur laquelle vous n'avez pas l'habitude de me voir, à savoir en auto sur le display, je suis dans les graphismes en maximum. J'ai vraiment essayé de reproduire un schéma et un scénario qui doit, à mon avis, concerner beaucoup d'entre vous.
Donc comme vous pouvez le voir, en faisant et en activant toutes ces options, eh bien j'ai 94% d'utilisation de GPU. On arrive dans une situation de GPU bound que beaucoup d'entre vous, à mon avis, doivent vivre tous les jours au quotidien et en particulier sur Rainbow Six. Du coup, comme vous pouvez le voir en haut à droite, dans un scénario où le GPU est extrêmement utilisé, est extrêmement sollicité, eh bien j'ai un render latency qui est compris, on va le voir, entre 7.2 et 8.4 millisecondes de délai entre l'action qui est réalisée et l'information qui parvient réellement au jeu. Maintenant, ce qu'on va aller voir, ça va être l'autre scénario, le scénario idéal. On va essayer de faire en sorte de baisser ces 30 heures latency et bien évidemment, on va activer le reflex boost. On et on. Du coup, en activant le réflexe, comme vous le voyez en haut à droite, je suis passé dans un render latency à 5 millisecondes. Et je suis passé d'une moyenne de 7.5, 7.6 à peu près, à un render latency à 5.6. Donc ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que le Nvidia Reflex permet de baisser la latence système, en particulier dans des scénarios où votre GPU sera énormément utilisé. Donc pour toute personne qui à l'heure actuelle ont des cartes graphiques qui ne sont pas de la dernière génération, c'est vraiment un plus. Ça permettra du coup pour ces personnes, soit dans un cas de figure, des personnes qui ont des cartes graphiques qui sont non pas vieillissantes mais pas de la dernière génération, d'avoir un jeu qui sera plus compétitif, soit pour des personnes qui souhaiteraient augmenter leur résolution ou augmenter leur qualité graphique sans pour autant mettre de côté l'aspect compétitif et avoir un lag système, et bien avec le réflexe de rester tout autant compétitif malgré le fait qu'ils aient augmenté leurs options. Voilà, on vient de présenter le Nvidia Reflex sur Rainbow Six. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, à y voir un petit peu plus clair sur cette dernière technologie de Nvidia. Clairement, ça permettra à des personnes, et en fonction de votre scénario, de vous aider à rendre un jeu et votre PC plus compétitif. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un like dans la vidéo. Merci infiniment.